Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 23, Melahel. Ange trône, gardien qui régente les énergies de Saturne et de Mercure. Il fait pénétrer la loi dans l'intellect, c'est-à-dire que l'individu peut tout comprendre. Sa raison lui dicte sa conduite. C'est là le désir de son ange gardien. Ayant pris connaissance que tout est le résultat d'une cause, que rien n'est dû au hasard, il agira de façon à ce que les effets de ses actions lui soient favorables. Il sera donc paisible et fécond dans toutes ses activités, par le fait de l'action des lois d'en haut sur le monde matériel d'en bas. La personne découvrira la corrélation entre les objets matériels et les énergies qui les produisent. Il deviendra un initié dans la connaissance des secrets des forces de la nature. Tout peut être obtenu en adressant l'invocation, la prière à cet ange. Prière à l'ange Melahel. Melahel, permets-moi, ange Melahel, de contempler l'éternité dans ce qui est concret et matériel. Permets-moi de voir clairement dans les richesses matérielles, dans l'or, dans l'argent, la lumière condensée qui permet aux humains de bien agir. Permets-moi de bien comprendre que tout ce qui est visible, tangible, est l'expression la plus concrète de l'œuvre divine, de la création. Ange Melahel, je veux participer à ce récit cosmique que tu es en train d'écrire. Inspire mon esprit, ange Melahel, pour que tout en moi puisse se reconstruire selon l'ordre naturel qui est divin et apporter ainsi aux autres l'image de la divine harmonie, l'image du rythme parfait dans leur organe, la santé. Accorde-moi le pouvoir de devenir celui qui, par toi, peut expliquer la signification des faits, des choses, des situations, et donc être porteur de réussite. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.